kanabwase na shande kaya minjili njidi limulu chipalu cha martiri nchikuwa chila mubianza kulibene ditunga ya Kongo kakwena mwaba wa kusomba walu mwa chipalu echi chirichika la chifuala bilamba bifia bifia kwa kushadika bwase kwa musangu mwibichi kulimalu wa mushindu ehu ni chakwenzeka walu mwa musangu wa kumpala ufamuika la mwenzeka wetu Rachel Keta musangu wa kumpala mchipalu emu mufaba chifa chelek uji muze Laurent Désiré Kabila balo kuchipa mpindi ehu badini chaku chipale elu kuli Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tuambile tumoni ivo bivitakana mushindu kai wetu Rachel Keta kabongo. Quand on a fait un peu de Congo, tout le monde a dit que c'était un peu de martyr, tu parles de la bande, 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 tu parles de Martyr, yakele
mille fois abattu Boubou, Bazouzi, Yazulu, Yakour constitutionnel, Bakele, Ivoyan Vimba, Bake, Vanis, Anakit, Yakifoum, Yabet, Fouma ici, Félix Antoine, Tiseke, Tilombo, Samu, Nambala, Yazol, Yacheleka, Beto, Kele, Kwaku, Na Stade de Martyr, Yacheleka, Bantou, Mingi, Bakele, Kwaku, Na Stade de Martyr, Nambala, Martyr, RDC, Meyamba, Banfumu, Yamutuna, Mutindu, Bamekuisa, Kwaku, Samu, Nakufuanda, Bambangi, Basantu, Thomas, Kisika, Bakefuandisa, Fumo, Isi, Félix Antoine, Tiseke, Chilombo, Samu, Nambala, Yazole, Tchelekele, Kiese, Mingi, Mayangi, Batume, Fuluka, Kwaku, na Stade de Martyr, Mingi, Batume, Fuluka, Mamevuata, Bilele, Yampembe, Mpembe, Bakena, Kina, Kusepela, Bakena, Kina, Samu, Nakusia, Misa, Yabeto, Fumo, Isi, Tchelekele, Betokele bafumu ya mutina mutindu bamekuisa kwaku na République démocratique du Congo betolele tanga ba bakele mingi mingi penza betoke na mfumu ya ici Sénégal Macky Sall Afrique du Sud Afrique du Sud Kenya William Roto bankaka bakena kuisa samu bakemona kisika bakefanisa beto fumu ici Félix Antoine Tshisekedi di Tshilombo, mais peu ça y est qu'il y a un gang de Zambie qui est pour la catholique, parce que le quoi, que ça me l'a poussé à mis ça, Félix Antoine Tshisekedi qui. Senko bakele ku na pefanza senko ya vonaka na kati ya bantu balandila ka bingi mambo kupona ma mepesa ndinga na mpangi na mimuno Oscar Mbalkaij. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct du stade de Martyr de la Pentecôte. Vous nous suivez de partout à travers le pays, à Kinza Mvouété, à Madimba, vous nous suivez au Congo central, vous nous suivez dans l'espace Grand Katanga, Lubumbashi, Kamina, Kolwezi, Likasi, vous nous suivez dans l'espace Grand Kasaï, à Miabi, à Bunkonde, vous nous suivez à Mbujimai, à Chikapa, à Kananga, vous nous suivez dans la province de l'Équateur, à Bikoro, à Sekriwenji, vous nous suivez à Gemena, vous nous suivez partout, à Tchopo, à Nitouri, dans la ville de Bounia, à Ariwara, à Mahagi, à Arou, à Mambasa, vous nous suivez au Nord Kivu, le chef-lieu c'est Goma, vous nous suivez à Beni, Beniville, vous nous suivez à Butembo, vous nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo. Aujourd'hui c'est un grand jour pour ce pays de Lumumba. Nous sommes le Congo, n'est-ce pas? Denis Sassou Nguesso qui est déjà dans nos murs, ici à Kinshasa, il est venu justement soutenir son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette importante cérémonie, la cérémonie d'investiture et de prestation de serment du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous le savez, qui a été réélu, il a été reconduit à la tête de la magistrature suprême avec un score sans appel de 73,34% des suffrages exprimés sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va lui donner les feux verts pour commencer le travail Blaise Bokokia. Je rappelle que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est plus de 60 ans, donc 61 ans. Il est 13 juin 1963 ici à Kinshasa, avec un parcours élogieux parce qu'il a été aux côtés de son regretté père, Etienne Tshisekedi Mulumba de Reuse Mémoire, celui auprès de qui il a affûté ses premières armes en politique. Il a été élu en 2011 comme député national. Il a décliné cette élection, il n'a pas siégé. Il a été invalidé justement quelques années plus tard, en mars 2018. Justement, Félix Antoine Tshisekedi, il a été élu par ses pairs, premier vice-président de l'Union africaine pour l'année 2020 et par anticipation pour l'année 2021, président de la même institution régionale lors du 33e sommet de chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu du 9 au 10 février à Addis Abeba en Éthiopie. Et lors de sa campagne, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel chef de l'État, a décliné 6 engagements qui constituent justement son programme d'action. Je pense qu'il le dira peut-être dans son discours d'investiture Blaise Bokokia. Et là, c'est la musique classique. Il y a plusieurs chorales qui ont été invitées pour agrémenter la cérémonie. Les officiels sont là.
le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le président de l'Assemblée nationale, du Sénat et plusieurs autres officiels de la République ont fait le déplacement vers les stades des martyrs de la Pentecôte pour suivre en live cet événement à Blaise Bokoké. Merci Joseph Oscar Mbalkaïj, la radio-télévision nationale congolaise, chaîne des grands événements. Nous ne cesserons jamais assez de le dire, à mobiliser son personnel et sa logistique pour cette retransmission en direct de l'importante cérémonie d'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie se passe ici, au Stade de Martyrs, cette grande marmite sportive construite en 1994 et inaugurée en son temps par le professeur Kiro Kimaté, alors ministre des Travaux Publics. La réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, très chers téléspectateurs, est un événement politique majeur, historique en RDC. Quelques heures après sa réélection, c'était l'effervescence totale à travers tout le pays et même ici à Kinshasa pour saluer justement la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après la publication des résultats d'abord par la commission électorale nationale indépendante et ensuite par la Cour constitutionnelle. La date prévue pour la prestation des serments Giscard Koussema, c'est le 20 janvier 2024. Le calendrier constitutionnel, délai constitutionnel respecté. Et avec sa réélection, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura certes le temps matériel de parachever les œuvres qu'il a commencées et pourquoi pas d'en créer d'autres au bénéfice de la population congolaise, car les attentes sont en quantité industrielle. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les a découvertes davantage lors de la campagne électorale. Partout où il est passé, les candidats Tshisekedi étaient en communion avec les différentes couches de la population congolaise. Des citoyens lambda, en passant par les chefs de l'État. Nous allons poursuivre sur cette lancée avec quelques minutes d'animation. J'aurai ainsi l'immense plaisir de pouvoir annoncer l'arrivée du chef de l'État et ensuite de présenter tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont présents aujourd'hui à Kinshasa. Je demande au DJ de bien vouloir poursuivre l'animation. Message bien compris, Giscard Koussema. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une seule préoccupation de la population pendant la campagne électorale, l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Et le président a bien compris ce message parce que partout où il est passé, il avait tendu le micro à la population pour faire part de ses préoccupations. Alors, tout à l'heure, on a enregistré beaucoup d'arrivées des invités de marque du président de la République ici à Kinshasa. Si en 2019, il n'y avait que le président kenyan Uhuru Kenyatta qui avait fait le déplacement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a plus d'une vingtaine de chefs d'État qui sont attendus à Kinshasa et plusieurs délégations jusqu'à Koussema. Merci beaucoup Blaise Bokoké Asanza. Nous saluons le téléspectateur de partout qui nous suivent ce samedi 20 janvier 2024 à partir du stade des martyrs de Kinshasa. C'est une journée qui restera historique en ce qu'elle est, parce qu'il s'agit de la journée. Elle est un moment de consécration, cette journée, un moment de consécration. Après sa brillante élection, le président de la République sera investi aujourd'hui devant plus de 80 millions de Congolais, une cinquantaine de pays de tous les continents qui sont représentés ici, soit au sommet par leur chef d'État, par des chefs de gouvernement ou encore par des délégations des hauts rangs. Jamais dans l'histoire de la République démocratique du Congo, Kinshasa a accueilli autant de chefs d'État. C'est dire que ce qui se passe en République démocratique du Congo est suivi de très près par tous les pays et tous avaient d'ailleurs salué la victoire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous disions qu'il y a une cinquantaine de pays qui sont représentés ici, mais une vingtaine représentés au sommet par des chefs d'État. Donc, viennent d'atterrir depuis ce matin le président Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad. Le deuxième était le président William Ruto, président de la République du Kenya.
Docteur Hissène Ali, président du gouvernement révolutionnaire des Zanzibars de la République unie des Tanzanie, est également arrivé par l'aéroport international de Kinshasa ce matin. Les voisins, le président Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a atterri également ce matin par l'aéroport international de Ndjili, tout comme le président Nana Akufo-Addo du Ghana et le président Joël Lourenço de l'Angola est également arrivé il y a quelques minutes seulement. Alors en ce moment, Blaise Boko-Kiasanza, nos équipes à l'aéroport nous signalent que le président Emmerson Mnangagwa, le président de la République du Zimbabwe, est en train de traverser la haie d'honneur. Tous vont rejoindre les autres chefs d'État qui sont arrivés ici la veille et qui sont regroupés en ce moment au Palais du Peuple. Et c'est de là qu'ils vont faire une procession pour faire leur entrée ici au stade de martyrs qui n'a plus de place que pour des chefs d'État et des représentants des hauts rangs parce que toutes les autres places, comme on peut le constater sur ces images, sont occupées. Jamais, jamais dans l'histoire de ce pays également, ces temples du football n'a réuni autant de morts pour tant de monde pour un événement politique. Seul le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a fait à trois reprises. La première fois, rappelez-vous, c'est lorsqu'il consacrait ce pays à Dieu, à l'avènement de son avènement à la tête du pays. Il était venu ici. On a vu cette image qui a fait le tour du monde. Le chef de l'État décontracté, à genoux, les mains en l'air, en train d'implorer la grâce et la sagesse divine qui l'ont conduit jusqu'ici. La deuxième fois, c'était récemment lorsque le chef de l'État est venu lancer sa campagne électorale ici au Stade des Martyrs. Et puis aujourd'hui, l'épilogue de tous ces combats, la consécration, ces moments solennels où il vient prendre un engagement devant son peuple, devant la nation entière représentée ici, devant une vingtaine de chefs d'État, des chefs de gouvernement et des représentants des hauts rangs, devant des représentants de la communauté internationale et devant les chefs des corps constitués ici au stade de martyrs. Et donc ceci est simplement le reflet de l'admiration dont il bénéficie de sa population. Rappelez-vous, Kinshasa a toujours voté à gauche et pour la première fois, avec une majorité écrasante, Kinshasa a voté pour le président de la République, comme d'ailleurs la plupart des provinces l'ont fait à quelques exceptions près. Donc ce jour est un jour de communion entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la population. Il s'agit d'un événement exceptionnel. Alors, événement exceptionnel, dispositif technique exceptionnel également. Aujourd'hui, nous serons en mesure de vous montrer en direct, en intégralité, en exclusivité, le parcours présidentiel depuis les palais présidentiels du Mont-Galima jusqu'au stade de martyrs. Nous allons suivre l'escorte présidentielle par voie terrestre et par voie aérienne. Ça signifie que nous avons nos équipes héliportées qui vont suivre les cortèges présidentiels. Nous en aurons également les longs du boulevard et dans des moments clés. Et donc, restez branchés sur la RTNC pour vivre tous ces moments des consécrations ici au stade des martyrs. Alors nous parlions des chefs d'État, il y en a qui sont arrivés avec leurs épouses, les distinguées premières dames. C'est le cas du président Denis Sassou Nguesso, héliporté, il est arrivé à Kinshasa accompagné de la distinguée première dame. C'est le cas aussi du président Adama Barrow de Gambie qui est arrivé avec la distinguée première dame de Pizière. 18 chefs d'État en fonction sont déjà ici à Kinshasa. 4 anciens chefs d'État sont également arrivés à Kinshasa. On peut citer le président Uhuru Kenyatta qui est arrivé hier, le président Jakaya Kikwete, Ange Rajoelina de Madagascar, tous des anciens chefs d'État. Obasanjo, qui est déjà d'ailleurs, toutes ces personnalités sont déjà regroupées au Palais du Peuple à partir duquel ils viendront tous escortés. Et donc c'est pour créer cette convivialité que tous les chefs d'État sont en ce moment au Palais du Peuple. Mais nous allons couvrir leur entrée ici au stade de martyrs. Voilà ce que nous pouvons dire en ce moment. Donc c'est un pari gagné, un pari de la mobilisation spontanée de la population congolaise qui vient, qui ne veut rien rater, qui veut voir pour la toute première fois une cérémonie de
d'investiture d'un président de la République élu ici en République démocratique du Congo. Stade de Martyrs, très chers téléspectateurs, une grande marmite sportive et culturelle de notre pays qui a vu en 1997 la prestation des serments de Laurent Désiré Kabila qui avait renversé au pouvoir le maréchal Mobutu. Aujourd'hui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui revient à ce stade de Martyrs pour la prestation de serment. Regardez cette image que nous propose nos réalisateurs Robert Zuzingoy, Nguzu Zingoy, J.R. Diakadi et René Nguangou. Stade de Martyrs métamorphosé, la pelouse entièrement couverte. Et au milieu de ce stade de Martyrs, très chers téléspectateurs, vous le remarquez de loin, il y a une chapelle érigée. C'est là où les membres de la Cour constitutionnelle vont la séance solennelle de cette importante cérémonie. C'est à partir de là où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prêter serment. Si Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment en 2019 devant le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, paix à son âme, qui nous a quittés, aujourd'hui, ça sera le tour de Dieudonné Kamouleta de prendre acte de la prestation de serment du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est attendu d'un moment à l'autre, ici, au niveau du stade de Martyrs, pour cette importante cérémonie. C'est l'homme vedette et c'est son jour. Vous allez retenir une date, un jour, une année, le 20 décembre 2024. Ça restera inoubliable dans la mémoire collective de la population congolaise, la prestation de serment pour la deuxième fois du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été réélu. Réélu parce que la stratégie mise en place par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été très déterminante. Plusieurs leaders de l'Union sacrée ont fait le tour de la République démocratique du Congo pour lui baliser le chemin. Le travail titanesque abattu par Bemba dans les grands équateurs, le Maïndombe, le Kwilu est à saluer. La grande mobilisation réalisée par Bati, Kamere, Liaou, Paluku, Mwindo, et pour ne citer que ceux-là, sont à placer à l'actif de ce succès de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de décembre 2023. En outre, le chef de l'État s'est livré à toutes les tribunes pour attirer l'attention du peuple congolais sur les enjeux de l'heure, ainsi que les acquis à consolider. Il est allé, tenez bien, partout, non seulement battre campagne, mais aussi et pour écouter le peuple, beaucoup de Congolais. C'était une première de voir le président de la République dans certaines contrées du pays. Et ça, c'est l'action menée. La réélection de Tshisekedi a fait aussi partie de son humanisme qui ne fait l'ombre d'aucun doute dans l'opinion. Avec lui, le mythe d'un dirigeant descendantal a cédé la place à la réalité du dirigeant qui émane du peuple et y demeure touché simplement solidarité, simplicité, humilité. On l'a vu au camp Luka par exemple, il a pris les œufs bouillis. Il y a un petit vendeur, on appelle généralement les effets. Le président a acheté un œuf et il a mangé publiquement. Quelle simplicité! Et je crois qu'avec cette proximité, à la fois géographique et psychologique, il y avait de quoi attirer la sympathie de la population partout à travers le pays. Giscard l'a souligné ici tout à l'heure, Oscar. Kinshasa, c'est le bastion de l'opposition. Mais aujourd'hui, Kinshasa a démontré juste le contraire. À la place qu'il soit acquis à l'opposition, Kinshasa a été du bon côté de l'histoire, du côté du pouvoir. Et le chef de l'État a été élu massivement, non seulement à Kinshasa, mais également à travers le pays. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous recevons des messages de partout, de la Suisse, n'est-ce pas? Jean-Pierre Onema, merci. Avec toute son équipe en Suisse, ils sont en train de nous suivre à Genève. La RTNC, grâce à la magie de la RTNC, de la télévision, Paris, en Grande-Bretagne, à Londres, aux États-Unis. Nous sommes suivis en Belgique, en Roumanie, en Serbie. Nous recevons des échos des Congolais qui nous suivent à travers le monde. Et aujourd'hui,
C'est un grand jour pour la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a été réélu, n'est-ce pas, pour un second quinquennat. Il aura encore 5 ans, parce que vous savez, le premier quinquennat, il n'a pu gérer que pratiquement 3 ans. La première année, il y avait la guerre entre les FCC et les CACH, ce qui ne lui a pas permis vraiment de carburer, de tourner en bien le régime, parce qu'après cette guerre, il y a eu la Covid-19, ce qui a ralenti pratiquement, paralysé les activités économiques sur le terrain.